Donc, deuxième vidéo sur Nintendo 64, enfin troisième vidéo dans cette espèce de package de vidéos. La première vidéo, c'était l'explication de tous les jeux qu'il y a et de ce que c'est Nintendo Switch Online Plus et comment les avoir. Deuxième vidéo, on a fait Zelda Ocarina of Time, que je vous invite à aller voir. Je le repréciserai au début de chaque vidéo, quand vous arrivez dans votre onglet Nintendo 64, vous allez dans les paramètres et vous chopez nord-américaine et européenne. Comme ça, moi, vous avez tous les jeux qui apparaissent. Et on va tester Mario 64 qui est là. Parce que Mario 64, en fait, voilà, je voulais absolument faire ça. Allez, c'est parti. On y va. Mon Mario Kart préféré, soyons francs. Tellement d'heures passées sur la télé cathodique, encore une fois, coupée en quatre. Allez. Oh là là, quel bonheur. Quel bonheur. Attends, je connais pas les touches en plus, j'ai pas les touches en tête, donc j'ai pas les touches en tête. Oh là là. Bon, on va faire le classique. Vas-y. J'ai pas les touches en tête. Tout sera dispo dans la journée sur la chaîne. Attends, j'ai pas les touches en tête. Attends, 2 secondes. Attends, j'ai pas les touches en tête. AB, oui, mais forcément. Et or. Oh, le kiff! Vas-y. Oh, je te jure. Attends, c'est quoi pour déraper sur celui-là? Ah oui, c'est ça, ok. Oh là là. Quel kiff. Ah oui, c'est vrai qu'ils étaient assez violents, les dérapages. C'est vrai que les dérapages étaient assez violents à l'époque, oh la vache. Ah merde, j'ai raté le petit joint. Attends. Ah, c'est vrai qu'il y avait les cadeaux, il y avait les cadeaux aussi déjà. Ouais, c'est R pour déraper. C'est R pour déraper. C'est celui-là. On pouvait faire le Snake à l'époque, je crois, en plus. Tu pouvais carrément faire le Snake. Oh là là. C'est vraiment quand tu l'avais bien en main à l'époque, c'était monstrueux, non? C'était pas celui-là, on pouvait pas faire le Snake déjà à l'époque? Je sais plus à partir duquel on a fait ça. Vas-y, je reste comme ça. Ouais. Ah, ça nous rajeunit pas, hein. Ouais. Oh là là. S'il te plaît. Vas-y, on fait les quatre courses pour on fait les quatre courses. Je te jure. Ça fait tellement bizarre de revoir certains circuits qu'on a l'habitude de faire du coup sur sur Switch aussi. Genre. Oh punaise, oh la vache. Ah ouais, mais les jeux à l'époque, on était tellement... Enfin, moi, là, c'est du... Alors, c'est pareil pour Ocarina of Time, mais là c'est vrai qu'on a passé tellement d'heures. On était assis devant la grosse télé qui était coupée en 4. Qui était coupée en 4 et on jouait comme. Enfin on jouait des heures et des heures et des heures et des heures. La seule chose qui nous décollait de l'écran, c'était la maman de mon pote qui gueulait parce que ça faisait trop de temps qu'on était sur l'écran.
Ils étaient trop bien. C'était le seul truc qui nous décollait de l'écran, hein, à l'époque, hein. Oh là là. Je l'ai eu. Non, je l'ai eu. Je pensais avoir bien visé, en fait. Ah, mais attends, je suis troisième. Carapace rouge qui permettait de beaucoup mieux viser que maintenant. Oh, je te jure. Et c'était trop bien avec EMT, avec la console, avec tous les fils qui partaient dans tous les sens et tout. Et puis t'avais fini de jouer, tu renroulais ta manette, tu la posais sur le côté, on allait goûter, on prenait notre grand verre de machin avec nos tartines, et puis on remontait dans la chambre, on déroulait les manettes, et puis on rejouait, mais c'était trop trop bien. Quel kiff. Oh là là. Oh, je me souviens de cette course. Oh, je l'aimais pas celle-ci. Oh, je l'aimais pas cette course. Je n'aimais pas cette course. Horrible. Je te jure. Je me souviens de cette animation, putain. Quel bonheur, mais quel bonheur. Merde, j'ai oublié de prendre le truc. Quel bonheur. Merci Ninehole pour ton abonnement, ton sub de niveau 1. Merci énormément. Bah, je peux pas ouvrir le coffre Zelda là parce que je suis en plein jeu. Mais je te l'ouvre après pour te remercier. Parce que j'ouvre un coffre Zelda pour remercier à chaque fois. Merci énormément. Bah, ils sont tellement loin. Oh, puis je fais n'importe quoi en plus. Je fais n'importe quoi. Oh, alors là, bah laisse tomber. Oh, la vache. Bon, allez, vas-y, j'essaye de... Que ah, bien ça! Allez, salut! Oh, il est tellement loin! Et c'est autorisé d'être aussi loin? Ah, dégage! Allez, salut! Oh là là, la vache! Allez, vas-y! Ah, cette course, je l'aime pas non plus, j'aime pas cette course! En plus, là, j'essaie de pas déraper parce que je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure! Ah bah du coup évidemment je peux pas l'avoir parce que en fait les carapaces elles suivent pas le terrain dans celui-là, je crois qu'elles vont directement là où il est. Là dans les nouveaux Mario Kart, les carapaces elles suivent le terrain. Là elles foncent dans le mur si la personne elle est censée être à l'opposé. Là ils s'en foutent royalement. Oh la vache, bien. Oh là là, mais quelle angoisse. Je te jure, non mais. Punaise. Ah là, remaîtriser le dérapage sur celui-là, quand t'es réhabitué au nouveau, c'est compliqué. C'est re-compliqué quand même. Allez, vas-y. Normalement, on reste en tête de toute manière. On est bon. Allez. Tiens, je me souviens plus de celui-là. Ah, punaise, il était devant, bien sûr. Ah, si, c'est le train. Ah, si, effectivement. Ah, si, ah oui, si, ah bah si, évidemment. Si, bah oui. Oh, ça passe. Si, bah oui, si, pas de soucis. Quelle horreur. Allez, hop, salut. Attends, mais le premier est vachement loin à chaque fois. C'est dingue. Non, mais attends, je la vois et je... Quel fion. Mais quel fion. Le cadeau en plein milieu, merci. C'est un cadeau.
cadeau, j'ai dit. Vas-y, mange. Merde, je vois Cyprien un truc. Non. Dégueulasse. Ah punaise, je voulais le lancer en arrière. Allez, vas-y, bouffe. Voilà, merci. La ferme meuse, c'est la base. La ferme meuse, c'est la base. Ah quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Quoi? Ah, dégage. Allez, salut. Ah non, mais c'est abusé. Mais non, je fais n'importe quoi. Mais quoi? Ah, le karma! Oh, le karma! Oh, chien! Ah, ça s'appelle le karma, mais genre, vraiment. Oh là là. Je te jure. Ouais, c'est bon, gagne quand même. Allez! On va regarder si on peut jouer online, mais je crois pas sur celui-là. On va regarder. On va regarder à quoi on peut jouer en online. Mais c'est possible. Je sais pas, on va voir. Ça m'étonnerait qu'on puisse pas sur celui-là. C'est bien ce qu'ils ont rajouté dernièrement. Ils ont rajouté pas mal de trucs, donc... Avouez que ça fait plaisir quand même. Congratulations. Yes. Alors attends. Vas-y, je sauvegarde. Alors attends. Multijoueur local. Jouer en ligne. Je sais que ça va vous faire plaisir quand même de. Aucun ami. Vous pouvez jouer en attendant vos amis jouer en ligne avec 3 autres joueurs. Bah si, du coup on peut. Si on peut. Bah on peut pour Mario Kart, c'est cool. Donc c'est juste que vous allez vous connecter entre vous. Excellent. Bon bah écoutez, fin de cette vidéo pour Mario Kart 64. Et on va bien évidemment faire les autres. Je pense que le prochain ce sera... Alors soit Super Mario 64, soit le Star Fox. J'hésite entre les deux. Et après bien évidemment on fera ceux de la Mega Drive avec... avec Street of Rage 2, évidemment, parce que mythique, évidemment.